Je m'appelle Yisrael Anna. En fait, ça se prononce Yisrael parce que ça s'écrit Y-I-S-R-A-E-L. J'ai 48 ans et je suis le résultat d'un triple mélange. Polonais, amérindien et noir. Comme vous pouvez le remarquer à la beauté de mes traits, tout s'est parfaitement assemblé. L'endroit que je préfère pour donner mes cours, c'est à côté de mon bureau. Parce que là où on est, là où j'ai mon auto-école, on a les pires conducteurs du pays. Alors si je dois apprendre à conduire à quelqu'un, je vais le balancer dans ce bazar. Ce que j'appelle le ventre du monstre. Si tu peux conduire dans ce coin, autour de notre boutique, tu peux conduire n'importe où. Et maintenant, on rentre dans le salon de coiffure. Lui, c'est Calvin. On n'oublie pas Fausto, notre président. Le meilleur dans le business. Lui, c'est le meilleur aussi. Et ici, un super client qui continue de venir claquer son fric ici. Et mon coin à moi, c'est au fond. Pourquoi au fond? Parce que je suis modeste, voilà. Et voilà Golden Key. C'est ici que ça se passe. C'est là où les gens viennent récupérer leur permis. Là où tout le monde est heureux de vivre. Et pourtant, les gens entrent ici tout tristes parce qu'ils n'ont pas leur permis ou parce qu'ils se sont fait braquer sur le chemin. Et celle qui gère tout ça ici, à part moi, parce que Golden Key, c'est d'abord moi, c'est ma femme, Rosanna Anna. Ici, il se passe toujours quelque chose. Des fois, on passe de la musique, des fois, c'est du sport. Enfin, on ne sait pas vraiment. En clair, c'est le repère des mecs. C'est ici qu'on traîne et qu'on cause. On cause des collègues, des femmes, on les regarde passer dans la rue, bref, tout ce que les mecs sont censés faire. Vous venez d'entrer dans la meilleure auto-école du monde, Golden Key. On a un slogan ici. On a une clé pour votre trou et un trou pour votre clé. Prenez ça comme vous voulez. Si ça vous fait marrer, c'est que vous avez le sens de l'humour et les idées mal placées. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait être indépendante dans la vie. Comme tout le monde me disait que j'étais une excellente conductrice, j'ai fondé Chicken Drive. Et aujourd'hui, j'ai formé plus de 500 femmes à la conduite. C'est un très bon chiffre en soi, surtout pour une femme qui gère ça toute seule. Tu en mets un ici, et tu en mets un de ce côté-là. Et t'en mets un derrière, d'accord? Tu veux bien m'aider? Attends. Regarde. Très doucement, délicatement. Je peux essayer? Décolle l'autre. D'accord. Ça, c'est la partie marketing pour ma société. Plus les gens voient ce nom, plus ils vont se demander « Mais qu'est-ce que c'est Chicken Drive ?» En cherchant sur Internet, ils sauront qu'une femme monitrice tient sa propre auto-école et qu'il existe quelqu'un qui peut apprendre aux femmes à conduire. Tu vois ? Pourquoi ce nom Chicken Drive ? Parce que je suis la seule femme monitrice à Bombay qui puisse apprendre aux femmes à conduire en 10 jours top chrono. Personne d'autre en Inde ne fait ça. Maman. Et voilà. She can drive. Désolée. C'est pas grave. On en a plein d'autres. On peut en mettre un de l'autre côté. Le nom que j'ai choisi interpelle les clients. Quand ils entendent « Chicken Drive », ils savent qu'il y a un lien avec la conduite et les femmes. Alors je me suis dit, pourquoi pas « Chicken Drive » ? Parce que les hommes pensent qu'on ne peut pas conduire. Toutes les femmes peuvent conduire.
C'est primordial, parce qu'en Inde, on voit très peu de femmes au volant. Aujourd'hui, conduire est plus une nécessité qu'un luxe. Les femmes ont peur, parce qu'à la télévision, on voit beaucoup d'agressions de la part des chauffeurs. Des coups, des agressions sexuelles. Une femme seule avec un conducteur est trop vulnérable. Elle se sentira toujours plus en sécurité si c'est une femme qui est assise à côté d'elle. Parce qu'une femme apporte de la chaleur, du réconfort. On se sent plus en sécurité avec une femme à côté de soi. Et puis, elle ne vous agressera pas. Ça, c'est sûr. Progressivement, tout ça devrait nous amener à une révolution. Une révolution rose. J'ai le logo de tous les panneaux. C'est des boîtes de peinture. Ça, c'est de l'eau pour la peinture à eau. Comme je dois chercher mes pinceaux, tout ça, je ne sais pas où je les ai mis. Je ne sais pas où le petit a mis ça. Oh, le fils! Viens. J'attends. Non, je veux les pinceaux. Est-ce qu'il y a des pinceaux ici? C'est un peu souci. C'est chaud, hein? OK. Je vais fabriquer rapidement un panneau de sens interdit. Comme je vais illustrer mon autocolle, la décorer au maximum. Donc, j'ai fait des gadgets. Ces gadgets-là, c'est moi-même qui les fais. Et puis, bon, voilà. Il faut le satisfaire le client. Il faut que le client aussi, quand il arrive, il faut qu'il ait tous les panneaux au complet. Hein, pour pouvoir mieux lire les panneaux, mieux exploiter le réseau routier. On reçoit les illettrés comme les intellectuels. Et surtout, le problème même, il est très complexe avec les illettrés. Ce monsieur-là, il veut voir les panneaux d'abord, le voir, le vivre, avant de pouvoir le mettre en pratique sur la chaussée. Ce client-là, il faut qu'il d'abord il maîtrise les couleurs. Il vient de la campagne, il ne sait pas lire le panneau, il n'est pas lire de couleur. Alors, il faut lui apprendre rapidement ses couleurs. J'ai dit que il n'y a rien de tel, quoi. C'est un talent, c'est un art. Voilà, c'est par amour que je le fais, voilà. Ce panneau-là, celui qui le voit déjà avec moi ici, il a vu, bon, il n'a pas de problème sur la route. Et même en classe, en salle de classe, quand les panneaux sont affichés, il les voit, il les lit, c'est carrément, hein, c'est plus facile. Et puis, la petite anecdote autour des panneaux-là, si tu n'étais pas les panneaux aujourd'hui, je ne serais même pas moniteur, je ne serais même pas directeur d'autocolle. Je me rappelle bien, en 92, j'ai croisé un ami qui m'a dit, mais viens à l'autocolle, on va se débrouiller. Alors, je n'étais même pas encore moniteur, j'étais ni répétiteur, mais j'étais quelqu'un déjà attaché un peu à l'autocolle, bon, qui rendait les petits services, un balayeur, tout cela. Et puis, bon, le monsieur m'a demandé qui pouvait produire les panneaux. Et j'ai commencé. Mon premier panneau qui est sorti, c'était le panneau d'intersection de priorité. Et ça a commencé comme ça. L'amour est venu. Et j'ai commencé à aimer ce métier-là avec les panneaux. Et puis bon, c'est resté à moi. C'est un métier qui est vraiment formidable, dans le sens où on apporte un savoir, on fait découvrir à n'importe quel public une voiture avec des commandes et on lui fait comprendre que c'est pas insurmontable. Je peux pas comprendre quoi ? Tous les combats possibles. Le challenge que j'ai avec tous les élèves, quels qu'ils soient, c'est d'apporter toute mon expérience passée dans plusieurs domaines que j'ai eus. La principale action que j'aurais à apporter aux élèves, c'est d'amener ma rigueur, ma méthodologie dans le travail. Après, il y a aussi il faut avoir un petit peu de psychologie dans ce métier, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même manière un garçon qui est un passionné de voitures de course
d'une jeune fille qui a peur quand elle s'installe derrière un volant. Ils auront des sensibilités différentes, donc c'est un petit peu, moi, ce que j'essaie de voir quand je monte dans une voiture. Je dis toujours, j'essaie de contaminer mes élèves avec la passion de la voiture. Il faut avoir de la psychologie par rapport aux élèves. Il ne faut pas perdre d'esprit que l'élève a peur. Il faut le rassurer. Donc des fois, j'essaie de trouver une histoire. Et comme je ne sais pas mentir, je raconte toujours une histoire de ma vie. J'ai une moto qui était française, c'était la marque Vauxhall. Et cette moto-là, je me souviens très très bien, quand je l'ai eue, j'étais toujours à fond. Et un soir, en rentrant du travail, je sors à Porte de Bagnolet, j'arrive dans un virage, et au moment d'arriver dans le virage, je me rends compte, quand j'arrive dessus, dans le virage, qu'il y a une traînée de gasoil par terre. Quand je suis arrivé dessus, la roue avant a glissé, j'ai rien pu faire. Donc j'ai eu le fémur de la jambe droite cassé en deux, j'ai eu la cage thoracique enfoncée, j'ai eu un trou au niveau du coude, j'avais l'os qui dépassait, et donc j'arrivais pas à respirer. Et donc moi, mes élèves, quand je leur parle de sécurité routière, je leur raconte cette histoire en général. Donc ça fait partie des expériences que j'ai dans ma vie, qui fait que dans mes cours, bah, je peux toujours les argumenter quand je parle de sécurité routière. Voilà. C'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre que les gens sont toujours en retard le premier jour. Bon, alors, ça c'est votre planning. Vous venez d'où? J'en ai du 15e. 15e? Ouais. Et pour venir le matin, c'est pas trop dur? Non, ça va. Du coup, j'ai pris le bus, là, j'ai mis 3 quarts d'heure. Ah, quand même. Mm. Ah ouais. 3 quarts d'heure pour venir. Il n'y a pas de métro. Si, mais j'ai la chambre. Bonjour. François, je vais vous donner votre planning, François. J'aime bien que ça soit clair que tout le monde ait son petit planning. Hein. C'est vrai? Vous avez couru, François? Je fais du vélo. Ah bah, normal. Bon, il y a Paul qui va arriver d'ici un instant, on va dire. Donc, j'ai pas fait les présentations. Louis et Marie-Aude qui est là-bas. Ah bah voilà. Donc, Marie-Aude et Louis. Ça serait cruel. Et tiens, bah, voilà Paul. Là, le dernier. Salut, Paul. Ouais. Salut, Paul, François, Louis, Marie-Aude. Bon, alors, tout le monde rentre. Ouais. Et hop, je vous explique un petit peu. On va faire la présentation du véhicule ce matin, donc je vais vous expliquer tout ce qui est la mécanique, le moteur, les niveaux, tout ça, d'accord? Est-ce que vous aimez le sport? Non. Est-ce que vous aimez le sport? Paul, il aime pas. Ouais, François, ouais, ok. Parce que là, ça va vraiment être du sport. Je vous dis ça parce qu'on débute lundi. Je commence tout doucement. Je commence tout doucement, tranquillement. Le but, c'est quoi? C'est que dans les 10 jours, là, on va au permis. Le petit truc que je dis toujours quand je fais le stage conduite, écoutez-moi. Écoutez-moi et faites. Vous avez compris? C'est tout. À partir du moment où on se met en mode j'écoute, je fais, ça le fait très très vite. On est parti. Allez-y. Il y en a qui veulent mettre des choses à l'arrière. Allez, on y va. Allez, petit loup. Let's go.
Bénaz? Oui. Moi, c'est Snéa. Enchantée. De même. Allez, installe-toi, s'il te plaît. Premièrement, tu dois savoir que tout à gauche, c'est la pédale d'embrayage. L'embrayage. C'est ça. D'accord? Celle du milieu, c'est le frein. OK. Et celle de droite, l'accélérateur. OK. Tu vas devoir jongler entre l'accélérateur et le frein. Et le frein, avec ton pied droit. OK. Ton pied gauche, lui, te sert uniquement à embrayer. OK. D'accord? Mais attention, pour changer les vitesses, il doit être complètement enfoncé. Quelle que soit la vitesse, pour passer la première ou pour passer la seconde, tu vas appuyer sur l'embrayage. Pour passer de la seconde à la troisième, tu appuies sur l'embrayage. De la troisième à la quatrième, tu appuies encore sur l'embrayage. Et de la quatrième à la cinquième, c'est pareil. En fait, tu ne peux pas changer de vitesse sans appuyer sur l'embrayage à fond. OK. D'accord? Donc ton pied gauche doit être sur l'embrayage et ton pied droit sur le frein. Après, tout dépend de la manière dont tu veux t'arrêter. Des fois, tu voudras t'arrêter brutalement. Mais s'il y a des voitures derrière toi, elles peuvent te rentrer dedans parce qu'elles te collent trop. OK? Garde le sourire et c'est parti. Une dernière prière? OK. Allez, prions. Seigneur, sauve ma vie. Bon, est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Tu dois te mettre en première. Alors, gauche et tu remontes. Gauche et tu remontes. Point mort, première. On ne s'énerve jamais sur une boîte de vitesse. Point mort, première. Il ne faut pas être pressé. D'accord? Ça ne t'aidera pas. Point mort, première. Attends, attends, attends. Tant que tu ne passes pas de vitesse, la voiture ne bougera pas. Par exemple, si tu es au point mort, lâche le frein et lâche l'embrayage. Est-ce que ta voiture bouge? Non. Non. Mais si tu fais la même chose avec une vitesse enclenchée, elle démarrera. D'accord. Alors, première. Et pour l'embrayage, il suffira de relever légèrement... Freine, 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 freine! OK. Désolée, désolée, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas compris. Ton pied était sur l'accélérateur. Exactement. Et la vitesse était passée. Okay. Ne t'inquiète pas. Pardon. Ne t'inquiète pas. J'ai eu tellement peur. Depuis que mon mari est mort, je ne travaille pas. Mes frères m'ont demandé de ne rien faire pour le moment. J'ai 3 enfants. L'aîné a 10 ans. Le deuxième est en primaire. Et le troisième, c'est une fille de 3 ans. Si quelque chose nous arrive, combien de temps dépendrons-nous des autres ? Si je ne fais rien, personne ne me soutiendra indéfiniment. Je ne suis jamais sortie d'ici. Je suis allée jusqu'à l'école de mes enfants, et c'est rare parce que mon mari faisait tout. Il me disait « Tu feras quoi sans moi ?» Je ne l'ai jamais écouté. Je n'imaginais pas que ça allait m'arriver. Je ne travaille pas. Je reste toujours à la maison. Je veux apprendre à conduire pour devenir monitrice. C'est pour ça. Et ça va aussi m'aider pour la maison. Je sens que ce sera difficile. Mais si je le fais pas, que vont devenir mes enfants? Mes rêves importent peu. Ma priorité, c'est l'éducation de mes enfants, ce qu'ils deviendront. C'est ça, mon rêve. Je veux qu'ils deviennent quelque chose.
Chanter, essayer de chanter, de jouer, de faire des boulots originaux. J'ai envie de faire des trucs créatifs. En ce moment, je suis en contact avec une boîte qui fait beaucoup de festivals musicaux. Et ils ont fait leur première à Paris. Donc, ce serait très excitant de bosser pour eux. Et normalement, à la fin de la semaine, j'ai un nouveau boulot. Un super taf. Je vais m'occuper de jeunes. Et c'est un boulot qui touche la musique et la culture. Et ça, c'est mon truc. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est pour ça qu'il me faut mon permis. J'aurais dû être embauchée sur le tournage d'un film. Et ça l'a pas fait. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec le permis. Ils m'aimaient bien pourtant. Mais bon, voilà, j'ai pas mon permis. Ils avaient besoin de quelqu'un qui l'avait. J'aurais gagné $150 par jour pendant les 3 prochains mois. J'aurais pu économiser tellement d'argent avec ce boulot. Mais non, j'ai pas pu le faire. Avoir le permis, ça changerait ma vie à 100%. Je pourrais faire tellement de choses, même genre aller chercher mes vêtements et faire mes lessives. Si j'avais une voiture, je pourrais conduire jusque chez ma grand-mère pour faire ma lessive. J'aurais plus jamais à laver mon linge dans la laverie d'en face. Même si c'est juste en face, ça me ferait économiser entre 35 et 55 dollars. Rien que ça, j'en ai besoin. Il y a quelque chose à New York qui pousse à la consommation. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps ici. Tu peux vraiment te perdre dans tout ça. Tu peux à la fois te perdre et te sentir coincé dans la même journée. Moi, je ne me suis jamais senti coincé nulle part. Rien ne m'a jamais arrêté, et d'ailleurs, je veux que rien ne m'arrête. Je suis plutôt une fille de mon temps, autonome, indépendante. J'essaie de payer mes factures. C'est chaud. Dans une ville où les gens font beaucoup de choses de façon égoïste. Mais je suis convaincue que si tu peux t'en sortir ici à New York, si tu peux t'en sortir à New York, tu peux t'en sortir partout dans le monde. Ce glissant risque d'y avoir pierre. Risque de chute. Risque de chute des pierres. Attention. Attention les piétons. Attention les enfants. Le danser particulier. Point mobile. Feu tricolore. C'est sans giratoire. Sans giratoire, obligatoire. Vous n'allez pas la priorité. Mais, j'ai révisé parce que si je n'ai pas révisé demain, quand je vais à l'école là-bas, je vais oublier de quelques mots dedans. Donc quand j'ai révisé au moins, demain, quand je vais, si on me demande les questions, il peut répondre facilement. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est lui qui m'a aidé à réviser. Parce que comme lui aussi, il a un permis de ça, il connaît ça. Interdit des cas, interdit des vautours à bras. J'habite ici. Voilà. J'habite ici avec les enfants. Avec mes femmes. Bon, moi, j'ai 10 gosses. Mes petits-enfants, là, ils sont nombre de 4. Voilà. Mais permis, si j'ai un permis, c'est pour travailler. Actuellement, la commerce, là, ça ne marche pas beaucoup. Si au moins que j'ai une autre activité à faire à côté, ça peut marcher aussi, non? Si j'ai au moins un permis. Je peux me débrouiller avec ça là, non? Les enfants, tu vois beaucoup d'enfants comme ça, non? Donc si j'ai un permis aussi, comme je viens de dire là, je peux me débrouiller. Si quelqu'un me donne un camion, quel que soit, je travaille, c'est la personne, ou bien moi, mais je gagne pour moi. Je peux prendre ça pour me débrouiller. C'est pour avoir des solutions pour nourrir tes enfants avec tes familles, c'est tout. S'ils ne font pas à l'école, ils ne vont pas au champ. Ils vont faire quoi? Ils vont devenir vagabonds. Ça, c'est pas bien aussi. Donc on est obligé de les faire partir à l'école, c'est ça qui est l'essentiel. Parce que quand tu les laisses, qu'ils ne vont pas à l'école, tu ne peux plus maîtriser.
Si je gagne ça, il reste maintenant à avoir un camion prenant pour commencer à conduire. C'est tout. On ne sait pas quel côté Dieu va nous donner la chance. Viens voir. Oui. Donc le moteur, il fonctionne de la manière suivante. Il y a un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Le premier temps, on va faire rentrer de l'air et on va mélanger un petit peu d'essence. Ça va faire ce qu'on appelle un mélange gazeux. On va envoyer de l'électricité à une petite bougie, ça va faire une étincelle. Comme c'est un mélange gazeux, qu'est-ce qui va se passer, Marie-Aude ? Il va y avoir une explosion. À partir du moment où il y a une explosion, le piston, lui, il est chassé violemment vers le bas. Comme ça. On va ouvrir un robinet qu'on appelle la soupape d'échappement, qui va faire partir les gaz brûlés par l'échappement. Donc ça s'appelle le cycle à quatre temps. Toutes les voitures qui fonctionnent dans le monde entier fonctionnent sur ce cycle. C'est un Français qui s'appelait Baudrochat qui a inventé ça en 1879. Maintenant, on va faire un petit peu de mécanique. Donc le moteur, il est lubrifié avec de l'huile. Donc l'huile, ici, on a une jauge. Je prends la jauge qui est ici, j'essuie la jauge en tirant comme ça, de manière à vérifier que le niveau est bien compris entre ici et ici. Tout le monde le voit, le niveau ? L'inspecteur François peut vous demander, montrez-moi les feux de position. On doit lui dire, ils sont en bon état, ils fonctionnent, ils ne sont pas cassés, tout va bien. Maintenant, feu de croisement. Vous voyez ? Feu de route. D'accord ? Après, ça dépend des voitures. Il y a des voitures. Sur quelle voiture on passe le permis d'ailleurs ou pas ? Non, nous, ça sera sur une Porsche. Mais bon, on s'entraîne sur celle-là, on se fait la main. Okay. Alors, je vais faire ce qu'on appelle de la magie. Oui, je vais monter la voiture avec la main. Il y a à peu près pour une heure. Hein. Bon, peut-être pas, 50 minutes. Ceux qui veulent aller faire un footing, allez-y. Hein. Voilà la roue. Alors, pour remettre une roue, ne jamais la porter, Marie-Aude. Parce qu'une roue, ça peut faire 50 kilos. D'accord ? On va se casser le dos, on va pas se casser le dos. On va avancer comme ça, regardez. J'avance en quinconce. D'accord ? Vous voyez, je la porte pas, la roue. Voilà, je mets la vis. Ça y est, tiens toute seule. Tout le monde a vu ? Chacun son tour. Voilà. C'est bon François, t'es bien. Lui c'est un rapide. Hein. Lui je veux le garder. Lui. Allez. Oh, il l'a pas serré celle-là, Paul. Hein. Non, ça va. C'était pour lui rendre service. Ouais, je vois ça, je vois ça. Hein. Ça va penser aux autres. Ah. Allez-y, 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 Mario. Allez-y. Hein. On en fait deux à chaque fois, hein. Comme ça, ça va plus vite. Et ben voilà, elle a enlevé sa roue comme tout le monde. Hey, regardez-moi, Mario. Pareil, hein. Bon, on va félicitations. Ça y est, tout le monde a changé de roue. Comment ça va ? Bien, madame. Très bien. Donc, voilà la voiture. Mais c'est pas compliqué, d'accord ? Allez, installe-toi. Bien. Voilà la voiture. Il y a beaucoup de choses dans cette voiture. Tu les connais ? Là, c'est le volant. À quoi ça sert, le volant ? Si, par exemple, ça, c'est notre corps, si on veut marcher, si on veut tourner à gauche, on ramène nos pieds à gauche.
Pour tourner à droite, on ramène nos pieds à droite. Donc le corps va suivre les pieds à droite ou à gauche. Les pieds de la voiture, c'est le volant. Si tu veux aller à droite, tu tournes le volant sur la droite et tu iras à droite. Si tu tournes le volant à gauche, tu vas tourner à gauche. Si tu veux marcher tout droit, tu gardes le volant droit et tu iras droit. Ta voiture, c'est comme le corps humain. Là, c'est la boîte de vitesse. C'est pour accélérer. Sous tes pieds, la première pédale, c'est l'embrayage. Celle de gauche. Au centre, le frein. Et à droite, l'accélérateur. D'accord ? Maintenant, comment mettre la première ? Comme ça. Là, c'est le point mort. Ça bouge dans les deux sens. Mais si on met la première, ça ne bouge plus. D'accord ? Deuxièmement, on met la ceinture. La ceinture est ici. Non, pas comme ça. Comme ça. Passe-la-moi. Donne. Passe-la-moi. Tire ici. Voilà, comme ça. Tire encore. Tire encore un peu. Lâche. À quoi ça sert? En cas de choc brutal, ton corps sera retenu par la ceinture. Elle t'empêche d'avancer. Deuxièmement, c'est la loi en Inde. Porter la ceinture est obligatoire. Ni toi ni moi ne devrons enfreindre la loi. C'est la loi à Mumbai et en Inde. Conduire sans ceinture est une infraction. C'est la loi. Et on ne va pas enfreindre la loi. D'accord? Maintenant, on est prête à partir. Très bien. Super. Très bien. Stop. On appuie sur l'embrayage. Appuie sur le frein tout en douceur. Tu as vu? La voiture s'est arrêtée. Excellent, j'adore ça. Tu as vu? Très bien. Laisse le klaxonner, il va passer. Pas de pression. Tranquille. Il va te faire une remarque, mais il va passer. Alors, quoi? Merci, monsieur. Voilà, fais pas attention à lui. Laisse-les regarder. Allez. Lâche le frein. Lâche l'embrayage très doucement. Waouh, j'adore. Stop. Allez, appuie sur l'embrayage et freine. Embrayage et frein ensemble. Quoi? Quoi? Faut pas les écouter. Allez, lâche le frein. Très bien. Brillant. Magnifique. Superbe. Super. Maintenant, appuie sur l'embrayage et le frein. Appuie sur l'embrayage et le frein. Ne les lâche pas. Fais comme je t'explique. Concentré. Fais comme je te dis maintenant. D'accord? Ne t'inquiète pas. Lâche le frein. Ne bouge pas le volant. Lâche le frein. Stop. Démarre. Doucement, ne fais rien d'autre. Bien. Bien. Tourne un peu. Viens par là. Embrayage et frein. Très bien. Démarre. Viens par là. Mets ton volant droit. Le volant droit. Continue. Un peu à gauche. À gauche le volant. Le volant dans l'autre sens. Dans l'autre sens encore. Appuie sur l'embrayage. Appuie sur l'embrayage. Appuie, appuie. C'est pas grave. C'est pas grave. It's okay. Point mort, point mort. Oh non, j'ai raté mon bus. Bon, je prendrai pas le bus. D'habitude, je prends le bus. Et je monte la côte. Mais là, je l'ai raté, donc je peux pas le prendre. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, si j'avais une voiture, je serais pas obligée de marcher. C'est pour ça que je vais avoir une voiture. Et un permis. On va voir ce que dit mon horoscope. Cancer. Je suis cancer. Beaucoup de créativité.
Continuez de vous entraîner, soyez patient et soyez pas négatif. Continuez à s'entraîner. Je dois continuer les répètes et la danse. Ça semble la meilleure chose à faire. Thanks, AM New York. New York Matin, c'est le meilleur journal quand t'es pressé. Ils donnent ça gratuitement. Ah, c'est cool. Un peu de lecture dans le métro. Ah, ça, je pourrais pas le faire quand je conduirais. Parce que bon, on peut pas lire le journal et conduire en même temps. Allez, c'est parti. Je vais seulement conduire à Manhattan. Si je conduisais dans le Queens, ça pourrait être cool, mais j'ai pas le droit de prendre les ponts, donc je vais être un peu coincée dans le quartier de Manhattan. Mais ça me va, parce que Manhattan est un coin très vivant. C'est le quartier que je préfère. Salut! Mattez les lunettes! Elle est stylée cette fille, non? Comment tu vas? T'es canon! Hein? Tu me fais un câlin? J'aime déjà ce gars! Allez, on y va! Prépare-toi à bouger d'ici! On va monter la 23e rue! Ça marche! Dès qu'on sera sur la 23e, on va rejoindre la West Side Highway! Et ensuite, on ira un peu en centre-ville! Okay. Comme ça, on ira sur les rues et des buildings, les rues sont plus étroites. Et je veux voir comment tu gères les différentes rues, les doubles voies, si tu peux tourner à droite, à gauche, les stationnements, les demi-tours. Je vais tout te montrer dans la voiture. Alors maintenant, ce que je vais te demander de faire, déjà, tu sais où est le frein? Non, ça c'est l'accélérateur. Ah, c'est l'accélérateur. Ça c'est l'accélérateur, oui. Ah, donc ça c'est le frein. Oh là là, ça va être quelque chose sur l'autoroute, mon Dieu. Allez, on se tire. Première chose à faire, les ceintures. Bon, moi en général, jamais pas, mais là je vais faire un effort. Tu devrais la mettre, ouais. Ah, les gens se ratent quand je mets ma ceinture, alors j'ai pas envie de la mettre. Pourquoi tu commences à conduire maintenant, toi? Pourquoi t'as pas attendu d'avoir 40 ans comme tout le monde? Parce que moi, la plupart de mes élèves sont des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires. Ouais, ceux de 18, 19, 20 ou 25 ans, ils veulent pas conduire. Ils veulent vraiment pas parce que... New York, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis de New York aussi et j'ai pas vraiment besoin d'avoir une voiture. Tu vois? Mais je fais pas mal de spectacles et je commence à avoir pas mal de plans en dehors de New York. C'est ce qui m'a vraiment donné envie d'avoir mon permis. Ah, okay. Comme ça, je déprendrai personne, j'aurai juste à louer une voiture. Et à décoller. T'as raison, t'es génial. Ouais, j'aime cet esprit. Alors, les deux mains sur le volant, comme ça. On va faire des virages. Alors, tourne ton volant sur la droite, comme ça. Continue à tourner, et là, tu prends cette main et tu la mets ici. Tu croises. Maintenant, avec les deux mains, tu vas vers le bas, ensuite tu remontes vers le haut. Dès que ta main bouge, elle va sur le dessus du volant, comme ça. OK. OK, alors recommence. Laisse-la ici et fais encore comme ça. Maintenant, fais-le vers la droite. Toujours, toujours au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ouais, ta main au-dessus de l'autre. Tu ne dois jamais tourner le volant par le bas. Si tu fais juste cette erreur à l'examen, l'examinateur te laissera peut-être une chance. Mais si tu fais cette erreur-là en plus d'une autre, là, c'est fini pour toi. Parce que c'est pas possible de bien tourner en prenant le volant par le bas. Pas par le bas, OK. Dans beaucoup d'écoles, ils t'apprennent à faire ça. Parce qu'ils savent que si tu fais deux erreurs, tu reviens chez eux reprendre des cours. Moi, j'adore mes clients, donc je ne veux pas les revoir une seconde fois. Okay. Bon, maintenant, j'ai envie qu'on sorte d'ici. Du coup, vas-y. Alors dis-moi, tu fais quoi dans cette situation? Tu recules ou tu avances? J'ai l'impression d'avoir assez de place pour avancer. Alors vas-y, en avant. OK. Normalement, je te dirais de reculer, mais t'as raison. T'as la place pour avancer. Alors t'as ton pied sur le frein, mets ta voiture en mode conduite. Voilà. Non, mets ton clignotant en même temps et continue à regarder derrière ton épaule. Fais attention à ce qu'il n'y ait personne. Super. Maintenant, remets-toi sur la droite. Pas d'accélération, tu vois. Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever ton pied du frein et là, la voiture avance. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On va tout droit. Tiens, klaxonne celui-là et tu lui demandes, tu peux te casser s'il te plaît, j'ai des trucs à faire, moi. Je suis en pleine leçon de conduite. Allez, vieux, bouge. Allez, papy. Ça, tu sais quand c'est un papy, hein? Tu le sais. Allez, vas-y. Allez, go. Ah.
Bonjour. Bonjour le vieux. Bonjour. C'est qui, ça va? Le vieux cool, ça va? Tu t'appelles cool maintenant, hein, c'est le vieux cool. Ça va, ça peut aller? Ouais. Ok. Ce matin, on va commencer un peu plus vite. Ici, le code de la route est obligatoire. Si tu n'as pas le langage des panneaux, tu ne peux pas conduire. Quelqu'un qui prépare de son temps pour venir suivre les panneaux, il peut tuer facilement un enfant sur la chaussée. Parce que moi, je prends toujours l'exemple d'un enfant, d'un innocent, qui, c'est beaucoup plus maternel, ça choque les femmes quand on dit ça. C'est pour leur dire qu'il faut apprendre les panneaux pour mieux éviter les enfants sur la chaussée, pour mieux les sécuriser. Quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'auto-école, quand tu lui demandes même qu'est-ce que c'est un panneau, il va te dire, moi, panneau, c'est la route, hein. C'est pas ce que tu veux. Au tableau, c'est pire. C'est pire au tableau. Rappelle-moi les couleurs du feu tricolore. Le vert. Mets le bâton dessus, papa. Le feu vert. Le feu orange. Le feu orange. Et le feu rouge. Au feu vert, qu'est-ce que tu fais? On roule. Au feu vert, le passage est libre. Et au feu jaune, on fait quoi? Au feu jaune. On accélère, on va plus rapidement. Au feu jaune, on fait quoi? Au feu jaune. On ralentit. Donc, au feu jaune, là, on n'accélère pas. Au feu jaune, on doit ralentir. Le feu jaune est appelé petit feu rouge. C'est-à-dire qu'on ralentit pour observer le feu rouge qui dit quoi? Arrêt obligatoire. Merci bien. C'est beau. Ça, ça mérite un applaudissement, mais lui, là, il me doit beaucoup. Ouais. Le vieux, allons-y. Panneau d'interdit. Panneau de sens interdit. Panneau de sens interdit. Uh-huh. Interdit de tourner à droite. Oui. Interdit de rouler 150 km. Non. 50 km. Hein? Non. Interdit de rouler à plus de 50 km/h. Interdit de rouler à 150 à plus de 150 km/h. De 50 km/h. 50 km/h. Voilà. Interdit tout le véhicule qui pèse plus de 2 tonnes sur un essieu. Voilà. Interdit les vélos. Voilà. Interdit de mobilettes. Voilà. Interdit de moto. Oui. Interdit de car. Interdit de camion. Oui. Interdit de klaxonner. Oui. Interdit de pléton. Oui. Interdit le véhicule longueur, et le laser passe longueur passe 10 mètres. Très bien. Oh non, attends. Ça c'est très bon. Le mieux. Voilà, c'est très bon. T'as vu aussi, on vous applaudit. T'as vu? C'est très bon. Ici, tu es notre doyen, hein, ça je le dis. Tu passes le permis pour quoi? Bon, quand tu prends le permis, c'est pour conduire les camions. Le conduire camion? Ouais. D'accord. C'est quelle catégorie de permis que tu veux? Moi, je veux gros camion, hein. Gros camion. Oui, moi, je veux, moi, je voulais conduire gros remorque même. Remorque. Ah. Ouais. En tant que j'ai encore la force, je peux conduire. D'accord. Oui. Donc, ton permis de conduire que tu veux là, c'est quelle catégorie de permis que tu veux? Conduire gros camion. D'accord. Donc, ce que je te dis, le permis que tu passes là, c'est le permis de la catégorie B, C, D, E. Répète ça pour moi. B, C, D, D. B, C, D, E. B, C, D, E. Voilà. Le B, c'est pour petite voiture. Le C, c'est pour camion. Le D, c'est pour car. Et là, c'est pour remorque. Ouais. Donc, tu n'as pas trompé. Pas de problème. Va merci à la maison. Beaucoup. On se voit demain. C'est que si, en tout cas, si Dieu fait 2 jours que je gagne, ça sera mes plaisirs. Amen. Amen. Inch'Allah. Tu as gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Olivier. Donc à demain. Ok. Merci beaucoup. Oui. Ok. À demain. Au suivant pour la lecture des panneaux de stationnement. Bon, alors vous regardez tous là. Le but, c'est de ne pas toucher les plots. Vous marchez entre sans les toucher. Normalement, on marche normalement. D'accord? Là, je vais prendre la clé qui est sur le toit. Donc je prends la clé.
J'appuie sur le petit bouton là. Je monte dans la voiture et je mets la clé sur le contact. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? On va commencer par Mario. C'est une fille. Normal, hein, c'est Mario. Mais par contre, avec les lunettes. Et les autres, vous regardez bien. Allez, Mario, on y va. Allez. Vous avez vu comment elle marche? C'est que le début, d'accord, d'accord. Pour l'instant, il y a zéro touche. Allez, c'est là. Il y a 20 grammes d'alcool dans le sang, ça. Hop. Le jeu, c'est de ne pas les faire tomber. On est encore là, hein. Et la clé, la clé, la clé. Allez, lui. Allez, elle a fait tomber un peu. Mais c'est cruel, Jean, comme épreuve. Là, on a l'air vraiment méga con. C'est bon, François? Allez, hop, on y va. Bon là, on sent déjà le gars qui est chevronné. Oh, il a de la famille dans la Champagne. Eh, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort bien. Eh, la clé, la clé, la clé, François. Ouais. Ok, on est d'accord. C'est bon. Oh, je peux conduire bourré, moi, ou pas, alors? Ouais. Ah ouais. Ouais, une bonne nouvelle. Je peux vous... Eh, je te goûte juste, bien un... Sûr. Je te goûte non, juste j'en... un petit goût. Non, mais j'avais dit que j'en voulais pas. Mais ouais. Non, mais tu rigoles. J'ai une passion pour les crèmes brûlées, donc je vais goûter. Ah, vas-y. Donc en fait, tu me disais, donc toi, t'as 33 ans. Tu comprends pas pourquoi t'avais passé le permis en accéléré? Ben, parce que je me suis dit que sinon, j'allais faire traîner l'affaire et que j'allais jamais le passer. T'as déjà essayé de le passer? Non. Jamais? Non. Parce que pour le coup, tu vois, j'avais déjà conduit une vingtaine d'heures. J'étais pas au point du tout. J'avais l'impression que c'était quelque chose que, bah, que j'ai jamais réussi à quoi. Pourtant j'en ai passé des diplômes et tout, mais ce truc-là c'est hyper compliqué pour moi. Et faut savoir que je suis claustrophobe. Tous mes déplacements je les fais en bus, ou en taxi, ou en Uber, tous les modes possibles. J'ai un budget. Tant que ça douille, hein. Mais oui. Mais franchement, ça doit équivaloir à c'est plus la moitié de mon salaire qui passe en déplacement. Non. Mais si, c'est terrible. Bah, disons que dans ton cas, le permis de conduire, c'est un vrai investissement dont les retombées sont très rapides. Et donc ce matin, là, avec Jean, tu l'as trouvé comment? Bah, j'ai trouvé, franchement, j'ai passé un très bon moment ce matin. Il était rigolo, enfin, j'ai appris plein de trucs. Tu sais, par exemple, la mécanique de ce matin, ouais. Je pensais que j'allais jamais comprendre tout ce qui se passait sous le capot. Et finalement, j'ai l'impression de voir un jouet en kit. Moi, ce qui m'inspire confiance, c'est qu'il a l'air passionné par son truc. Ouais. T'as pas l'air de te dire, il est moniteur d'auto-école pour sucrer du pognon voilà, à des gamins. Ouais. Ça, il crée une ambiance un peu. Enfin, il a une façon d'amener le truc qui le rend plutôt ludique, enfin, en tout cas pour le moment. Que je pense qu'on va moins rire vraiment à partir de ça, c'est le coup de l'éthylotest, là. Ah, j'avais oublié. Enfin, des lunettes de bourré, là. Tu t'en es super bien sorti. Eh, ouais, mais j'avais presque un peu honte, si tu veux. De... Puis si c'est le seul truc auquel je suis bon, c'est quand même un problème. Les piétons, quoi, sérieux, mais les piétons, ils sont tarés. Qu'est-ce qui se passe? Je suis stressée. Stressée pourquoi? Quand tu tournes à droite, tu fais comme ça, François. Ouais, ouais. Voilà. T'inquiète. Laisse-moi faire, François, t'inquiète pas. Tu dois ralentir, tu comprends ça? Stop! J'ai réussi l'examen! L'ordre d'allumage de feu, c'est à partir du fer, jaune et puis rouge. On est d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous m'avez demandé de quelle couleur il est avant. Regarde le panneau qui est derrière toi. C'est quel panneau? Le panneau stop. Ok, stop.